Hey hey hey, cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Eddie Challenge. C'est le début de l'hiver pour les Aubert, et puis pour les voisins aussi, hein, je veux dire, ils sont à la même enseigne. Et la dernière fois, on a plus ou moins fêté Noël. Et ce qu'il y a, c'est qu'on n'a toujours pas ouvert les cadals. En espérant que ce soit des cadals qui soient évidemment d'époque. Sinon, si c'est une console numérique, j'en sais rien, machin, ben on pourra même pas la vendre en fait. Ni l'utiliser. Ce serait un peu dommage. Mais bon. Oh, ça commence à devenir blanc. Oh, c'est bientôt l'anniversaire de Radegonde! Incroyable! Et les cours des enfants vont commencer. Et ben, ce sera un nom général, hein. Allez, petit Godou, Godi Godo, tu vas aller faire un petit pipi. Oh ben, merci Godefroy. Hein. Ah oui, il y a carrément la glace qui commence à apparaître dans le fleuve à côté de la maison. Bah, ça doit pas être trop agréable, hein, de pisser comme ça, dehors à la belle nature. Oh là là, papa! J'ai vu ton zizi. Et de prendre un bain, mais bon, c'est comme ça, c'est à la dure. Allez, c'est que le début. Ils sont déjà en train de me casser les pieds, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ah bah elle est en train de nettoyer les toilettes, super. Bon bah, toi tu vas pouvoir venir gueuler sur ton fils. Allez, c'est discipliné, sévère, hurlé, go. Moi j'ai comme l'impression que Radie, elle a quand même pris du poids. Pourtant, elle a pas été enceinte, je veux dire, entre la naissance d'Adélie et maintenant. Et, pff, voilà quoi, elle a peut-être un peu abusé du fromage dans les macaronis. C'est peut-être ça. Par contre, c'est vraiment cool quoi, d'avoir pouvoir acheter les petits jeux du fer à cheval. Est-ce que du coup, bah, ça les occupera? Et puis bah, quand il va neiger, enfin si il neige, mais je pense que oui, on va pouvoir enfin les faire un milliard de bonhommes de neige. Bon, c'est complètement pas d'époque, hein, mais regardez qui retrouve-t-on. C'est Manon, la femme d'Anastase, qui a bien du mal à glisser sur la glace. Eh, hey, bonjour ma jolie mademoiselle, est-ce que vous avez un 06 ou un 07, wesh? Bah écoutez, hein, je sais que c'est tôt, mais on va... J'ai remarqué cette jolie jeune fille qui vient juste de devenir adolescente, donc avec Godefroy, hein. Il y aura une semaine de différence, on va dire, mais bon, avec les grossesses, tout ça, voilà, voilà. Donc c'est pas très très grave, et il va lui parler, voilà, je suis reconnaissance. On sait jamais, on sait jamais. Bon, ça discute là, ça rigole, ça joue, bah ouais, mais Amédée, tu vas bosser, oui. Tu vas nous faire... La baignoire du jour, évidemment. En plus, là, il est enjôleur, il va bien, il pète la forme. Et les filles, eh ben, les filles, elles jouent. Bon, bah, comme ça, elles font pas de bêtises, elles au moins. Mais tiens, tiens, mais qui je croise dans la rue? C'est Jonathan Algar. Et les filles, ils les connaissent déjà. Eh ben, on va voir s'il y a quelque chose qui passe bien entre eux. Ouais, mais attendez, là, il y en a un autre qui passe. Patrick Auger. Et je viens de vérifier, ce n'est pas... Le fils de Petronige, non, de notre sœur Cunégonde, donc, parce qu'elle s'était mariée avec un Auger, donc elle est devenue Cunégonde Auger. En tout cas, c'est peut-être un cousin de son côté, mais pas d'une autre, donc on va dire bonjour, hein, on va pas, hein, voilà. La discussion au milieu des pigeons qui sont là, c'est incroyable. Moi, Amédée, il est trop curieux, lui, il a envie d'ouvrir un des cadeaux qu'il a mis lui-même. Qu'est-ce que tu vas gagner? Enfin, gagner. Une vie au microscope! C'est un super cadeau dont on n'aura aucune utilité. Qu'est-ce qu'elles font, les filles? Je vous rassure, elles sont pas punies ou mises au coin. Elles discutent avec ce jeune homme, qui est très très bien habillé, comme vous pouvez le voir, qui est le frère de l'autre. Alors là, il a envie de tuer quelqu'un. Hein, ça se voit, il est un petit peu vénère. Mais pourquoi est-il aussi méchant? C'est son frère, il s'appelle Thierry Auger, donc fils d'artisan. Ça peut être intéressant quand même. Oh, elle rigole la petite Radie là. Ça va, t'as pas trop froid? Parce que bon, température, être à poil. Je sais pas comment tu fais pour avoir un bain chaud par cette température là, mais bon, pourquoi pas. Ah, mais ouais, en plus tu t'invites chez nous et tu manges comme ça. Non, mais toi tu vas pas boire un verre d'eau, c'est hors de question. À la limite, tu peux te présenter à ce jeune homme. Peut-être un de tes futurs beaux-fils, pourquoi pas. Mais non. Ah, oula, alors, attention, Eulalie a reçu une pièce d'amélioration électronique, une pièce d'amélioration commune de cuisine et de plomberie. Waouh! Qu'est-ce qu'elle en a de la chance, hein. Alors, vous êtes ravis de vos cadales? Je crois qu'elle a eu aussi un truc de microscope, donc forcément, on va pas s'en servir. Enfin, il y a de grandes chances qu'on s'en serve pas. D'ailleurs, tu vas recycler un peu ce que tu as récupéré dans les poubelles. Voilà, toi t'en as deux à recycler, ma cocotte, donc tu le feras.
Un chevalet cheval! Oh, mais ça, c'est bien, ça. Ça, c'est super. C'est qui l'a eu, ça? C'est Frénégonde. Parce que ça peut lui servir dans sa prochaine vie. Eh oui. Allez, Godefroy, qu'est-ce que tu vas avoir comme beau cadeau du Père Noël? Un morceau d'argile! Oh, bah, en plus, ça se multiplie comme des petits pains, ces conneries-là. Ouais. C'est bien, au moins, il aura quelque chose pour s'occuper. Et la petite Adélie? Oh, elle est trop mignonne! Qu'est-ce que t'as eu, ma cocotte? Un tas de déchets recyclés? Hein? La petite Adélie, là, il me semble qu'elle a un petit souci, hein, parce qu'elle passe son temps à jouer devant les toilettes. Voilà, elle avait trop froid. Oh, mais Adélie, elle est déjà en train de clignoter! Elle va devenir une petite fille! Oh, trop cool! Oh, ça grandit vite, ces trucs-là. Hein. Attention, les tout premiers macaronis au fromage de Frénégonde! Allez Eulalie, on fait ses devoirs. Après tu pourras... Oui, bah après tu pourras feu te remettre dans le verre. Mais pour l'instant c'est les devoirs. Hein. C'est comme ça. Bon, je sais que ça va pas vous faire plaisir, mais... Fulbert est devenu vieux. Je suis vieux. Et ouais. Ah, ça fait un petit choc quand même à notre fufu national. Bon, en même temps, il est né il y a quelques épisodes quand même. Hein. Ça fait un bout de temps. Le premier-né de Petroni et Mathurin. Voilà, il est vieux. Le temps passe, quoi. Et quand on regarde l'arbre généalogique de Petronille avec ses six enfants, attention les yeux. Ta 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 ta, ça va. Il y a une belle ribambelle. C'est comme les chats ou les lapins. Hein. Plus il y en a, vous en faites de balles. Prenez la première portée, il y en a beaucoup. Laisse tomber à la deuxième. Hein. Oh, ça y est, Adélie a vieilli. Elle devient une petite fille. Alors, en aspiration, on va lui mettre faculté. Voilà, je sais plus ce que c'est. Faculté petit génie, voilà, si on veut. Attention, le premier trait est toujours un peu catastrophique, hein, on est d'accord. Hein. Alors, 1, 2, 3. Perfectionniste. Bah écoutez, ça passe, parce que même si c'est ce genre d'équerre, le dessin n'est pas applicable pour l'époque. C'est pas... Franchement, ça passe. En plus, fabrication d'objets et tout, elle va nous faire des trucs encore plus sympathiques quand elle sera plus grande, quoi. Mais Oh, bah alors! On est colère, mademoiselle! Oh, purée! Oh, ce qu'elle a l'air! Oh là là! Oh là là! Je sens la bombe! Je sens que cette petite Adélie va être une bombe en étant jeune fille. Je sais pas pour vous, mais. Moi, je le crois beaucoup. Bien sûr, on va aller la relooker. Voilà pour le relooking de Adélie en petite fille. Et ben moi j'ai l'impression qu'elle va beaucoup ressembler encore à son père. En tout cas, je la trouve très très mignonne. Oh dis donc, Godefroy! Tu t'excuses tout de suite, il a gueulé sur sa sœur, quoi! Non mais franchement. Et puis maman, ça s'est passé sous ton nez, donc forcément tu vas l'éduquer là. Allez, sévère! Hurler dessus à cause de la méchanceté. Carrément. Bah, la petite, elle commence déjà à faire la vaisselle. C'est bien, elle a bien pris le pli. C'est bien, Godefroy. Tu participes à l'enrichissement de la famille. La petite bougie, là. On est mercredi. Ça devrait pas trop tarder le marché. Donc, faut travailler. Bon, moi, j'ai un souci avec Frénégonde. C'est qu'elle n'arrive pas à jouer toute seule au fer à cheval. Alors que les autres y arrivent très bien. Du coup, bah, elle s'ennuie de ouf. Hein. Ah! Qui c'est qui toque à la porte? C'est Hildegarde! OMG, Hildegarde, mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu! Mais viens, entre, ça fera plaisir! Ah bah ça y est, maintenant elle peut jouer! N'importe quoi! Ah bah t'es habillée pareil que ta tati! Heureusement qu'il y a la coupe de cheveux qui change quand même, hein. Sinon j'aurais du mal à les reconnaître! Mais moi je kiffe, hein, parce que je vois les deux hommes de la maison qui travaillent! Ça fait plaisir, hein? Ça fait du bien de voir ça, non? Vous vous trouvez pas dans les commentaires? Regardez qui vient là, c'est Hugo Balek. Bah oui, pourquoi pas. C'est ce jeune homme absolument charmant. Ouh, même très charmant, pourrait être l'un des prétendants pour notre Eulalie nationale, puisque ben tout simplement, il est sur le bord de devenir jeune adulte, donc il serait plus approprié pour elle plutôt que pour sa sœur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Julie Flaubert? Non! Me dites pas que c'est la fille de notre fufu! La fille de notre fufu? Oh!
oui, bon là, oui, je pense que c'est effectivement une cousine de une fille de Fulbert, quoi, tout simplement. Eh ben, écoutez, oh, bah Adélie, t'es déjà au lit? Bah non, bah oui, mais viens dire bonjour à ta cousine, tiens. Et toi aussi. Non, 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 mais reviens, reviens, reviens. En plus, tu la connais déjà. Ah, bah il y a vraiment moyen que ce soit la cousine, en fait. Ouais. Moi, je suis contente, elle est mignonne, la petite, même si elle passe à des heures pas très recommandables. Oh, l'amour est toujours là quand même, hein. Même s'il n'y a plus de crac-crac, ils s'aiment toujours. C'est marrant parce que le sol, il est un peu clair, hein, comme gelé, mais en fait, ils disent que on peut récupérer de la neige. Ah ouais. Ouais, c'est RP quoi. Godefroy, il s'implique, hein. Il nous a déjà fait trois bougies, il en est sur sa quatrième. C'est bien, mon petit. Tiens, tiens, tiens. Bon, on passera le fait qu'il rigole sur un téléphone portable, mais on va discuter avec ces jeunes hommes. Voyons, qui nous font l'amabilité de venir jusqu'ici. Encore un jeune homme qu'on vient de croiser. Plutôt beau gosse, c'est bien un bourgeois. Voilà, hein. Écoutez, les filles vont faire leur devoir, hein, c'est-à-dire discuter avec tous les jeunes hommes disponibles. Il n'a pas su choisir entre les deux filles, du coup il se casse. Tiens, tiens, Sora Marie qui arrive à la maison avec un cadeau. Bah écoute, avec plaisir, hein. Oh, qu'est-ce que tu nous offres comme cadal? Waouh! Un pancake aux oursons en gélatine. Oh! C'est adorable, on a 10 heures pour les manger, c'est super, ça va changer du macaroni au fromage, on va les mettre là. Merci Sarah Marie, tu es adorable. Séance spéciale devoir pour les enfants, pour éviter qu'ils soient totalement irresponsables, même si c'est mal barré. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais vous faire voter. Je vais vous faire voter parce que Eulalie va bientôt devenir jeune adulte déjà. Donc je pense que je vais vous faire choisir aujourd'hui entre Eulalie et Frénégonde. Donc vous avez maintenant connaissance du visage de Frénégonde, qui est donc celle-ci aux yeux plus clairs, qui ressemble quand même à son père. Alors que Eulalie, elle ressemble beaucoup plus à sa mère. Bien sûr, pour faire le choix, je vous demanderai bien sûr de cliquer sur le vote, de cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir voter. Je ne prends pas en compte les votes qui sont dans les commentaires. Exprimez-vous que via ce lien. Et la semaine prochaine, eh bien, on verra les résultats et on avisera. Je pense que je prendrai part hein, sur les futurs hypothétiques maris. Bah, ça va, tranquille, tu. Ouais. De Lily, parce que c'est elle qui sera la plus grande et la plus vieille. On va caser Lily la semaine prochaine, je pense. Après, ça dépend ce que. Voilà, si le jeune homme est déjà jeune adulte ou pas, etc., etc. En tout cas, c'est à vous de choisir. Choisissez bien. Pour rappel, Eulalie est végétarienne et solitaire. Voilà, c'est pas forcément le meilleur. Alors que Frénégonde est gourmande et joyeuse. C'est un peu plus sympa. Mais après, les traits de caractère, au final, importent pas trop. Donc à vous de voir. Frénégonde est la première à se coucher. Elle est fatiguée un petit peu, la petite. Ouais, il est 23 h en même temps, ça commence à être l'heure. Et puis là, ça discute. Non, 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 je veux pas que tu fasses la vaisselle. On va laisser tes jeunes filles le faire. Hein? Parce que toi, t'as déjà bien beaucoup de choses à faire, ma cocotte. En tout cas, les pancakes sont plutôt pas mal, hein? On va pas se cacher. Et si tu faisais un peu d'éducation à la petite dernière, Adélie, elle n'a pas encore eu les cours de bonne manière. C'est pourtant essentiel, hein, dans la vie. Certains ont tendance à l'oublier. Yes! Bah tu vois, ça marche! Oh, Radil clignote! Oh là là, va devenir adulte. Bah, d'ici le prochain épisode, je pense, hein. Allez, il est minuit passé, il y a presque 1 heure du mat, là. On va faire un peu le lit pour tout le monde. Enfin, le lit. Dodo pour tout le monde, là. Allez, tous à la queue leu-leu. On va se coucher.
Moi, je vais vous remercier de m'avoir regardé pour encore cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir l'anniversaire de Radie qui va grandir toute seule et devenir une adulte. Nous allons avoir le jour du marché également. Et puis, ben, je verrai pour laquelle des sœurs vous aurez voté en masse pour garder, évidemment, hein, laquelle des deux nous gardons, laquelle vous choisissez et que vous préférez entre Eulalie et Frénégonde. N'oubliez pas, pour le soutien, de me partager sur tous vos réseaux sociaux, ma chaîne et mes épisodes. C'est le meilleur soutien qui puisse être fait. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite de Lord & Lady ou d'autres choses sur ma chaîne. Ciao!